Bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour un Parole de créateur face à l'urgence écologique qui clôture la saison. Et ce soir, paradoxalement, nous allons parler de glaciers à la veille de l'été. Voilà. Et j'ai la chance de recevoir donc un petit rappel sur ce format. En fait, l'idée, c'est de combiner le regard de l'artiste et de la science et de la philosophie pour répondre à l'urgence des temps présents, créer des nouveaux récits, des nouveaux narratifs pour imaginer des futurs plus souhaitables après la crise que nous avons traversée et voilà, imaginer ensemble un futur possible. Et donc ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Talec. Bonsoir Nathalie, comment Bonsoir. allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, je crois savoir que vous êtes en Bourgogne et que c'est encore l'hiver et qu'il fait 13 degrés. Voilà. Bon. Et Olivier Remaud, bonsoir. Bonsoir, Nathalie. Ravi de vous accueillir et de vous écouter surtout. Et donc Nathalie Talec, pour faire un espèce de panorama de votre pratique, vous êtes une précurseur puisque déjà dans les années 80, vous étiez avec Paul-Émile Victor au Groenland. Alors, je ne sais pas si vous aviez en tête, évidemment, conscience du potentiel drame qui nous est tombé dessus en 2020, mais on va en parler tout à l'heure. Mais en tous les cas, vous vous inscrivez dans cette tradition de l'appropriation d'un fragment du bien commun qui est le froid, élément commun avec Olivier Remaud ce soir. Et donc, tous ces attributs dans l'imagination populaire, la neige, le givre, les animaux et les contes du Grand Nord, les lunettes en ivoire des peuples esquimaux, le froid dans ce qu'il génère en termes de récit, la métaphore aussi sur l'idée du vide ou du néant, la manière de questionner le corps et les sensations, un froid, le froid, qui vous permet de convoquer des notions scientifiques associées à un champ évidemment de réflexion artistique et métaphysique. Vous avez aussi fait beaucoup de performances, enfin de la performance, dont une, 5 minutes sur la route du pôle qu'on va voir tout à l'heure à Cologne, et également des protocoles d'action comme par exemple le jeu de survie en chambre froide en 85. Donc on peut dire que votre production rend indissociable l'art et la nature en faisant de votre œuvre un lieu d'expérimentation, d'exploration et de questionnement de la puissance de l'élément glaciaire. Et ça me fait une très bonne transition pour présenter Olivier Remaud qui nous invite à penser comme un iceberg. Donc Olivier Remaud, vous êtes philosophe et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et vos travaux portent principalement sur les usages du monde et les milieux de vie. Vous défendez, comme Nathalie Talec, l'importance des récits, des narratifs pour décentrer le regard, faire un pas de côté et changer notre comportement face à l'égard du vivant. Et donc, vous venez de sortir un livre qui s'appelle Penser comme un iceberg. Alors là, voilà, je ne sais pas si on le voit très bien. Non, on ne le voit pas. Et qui est dans cette magnifique collection des mondes sauvages chez Actes Sud. Et en fait, c'est une façon très poétique d'éveiller, de rendre compte, en tous les cas d'établir une prise de conscience que cette nature que l'on croyait vide est en fait très née des écosystèmes complexes et que nous en dépendons intimement. Donc, ce que je disais tout à l'heure, donc il s'agit de décentrer le regard pour reconsidérer notre rôle face au vivant et notamment face à ces glaciers qu'on doit imaginer comme nos partenaires sociaux de nos existences. Donc, vous avez, vous, une approche philosophique et vous vous inscrivez dans une écologie du sensible. Une approche donc par les sens où l'homme s'oublie lui-même, se détache d'une vision utilitaire pour s'intégrer au cycle global du vivant. Faire parler donc, faire parler ces mondes, c'est également donc ce que propose Nathalie à travers ses récits fictifs, auto-fictifs, qui permet d'activer tout un tas de protocoles dont elle nous parlera tout à l'heure. Donc j'ai envie de commencer par vous, Olivier, bon, même si évidemment c'est un dialogue entre vous deux. Comment on pense comme un iceberg. Et surtout, comment cette idée un peu folle et très, très
intéressante, enfin très surtout en ce moment. Donc, on a vraiment envie de se rapprocher de la nature. Donc, comment est née cette idée de ce livre? Et où se situe cette philosophie, la philosophie, en fait, dans cette appropriation, comme point de départ? Merci beaucoup pour l'invitation et cette présentation très sympathique. C'est une longue histoire, mais on peut peut-être la résumer comme ça. C'est que si vous vous rappelez nos cours à toutes et tous, hein, de géographie, sens très très large, en fait, on parlait souvent à l'époque de trois règnes, le règne humain, le règne animal, avec le végétal compris dedans, puis le règne minéral. Et on supposait... parfois, même on ne le supposait pas, on le disait très explicitement, seuls les deux premiers règnes sont vivants. Le règne animal est complètement sec, mort, un rocher ne vit pas, quoi, par exemple. Et c'est vrai que c'est une idée qui m'a toujours un peu intrigué. Et pour vous résumer les choses, surtout lorsque je suis tombé sur des récits, des contes, des légendes, des mythes, qui énerve, alimente encore l'imaginaire de bien des populations aujourd'hui sur notre planète, dans lesquelles on trouve des relations quotidiennes avec des entités naturelles qui sont matérielles, hein, avec notre langage. Les glaciers en font partie, mais aussi les rochers, des entités naturelles plus larges comme les rivières. Et puis voilà, j'ai creusé cette idée. Tiens, mais finalement, est-ce que la matière est si débarrassée que ça, comme on nous le disait souvent à l'école, de toute vie? Et j'ai trouvé plein d'exemples et plein de niveaux de réflexion, d'analyse, mais aussi, effectivement, vous l'avez dit, de rêverie. Je crois que c'est un point extrêmement important pour se connecter ou reconnecter avec le vivant. Et alors, je vous avoue qu'il y a un détail qui m'a vraiment intrigué et qui constitue en fait le point de départ intellectuel du livre. C'est lorsque j'ai compris que les glaciologues utilisaient le terme de vélage pour désigner le mécanisme par lequel l'iceberg se détache du glacier. Le vélage, hein, quand un glacier qui est côtier se fracture et lâche un bout de lui-même dans l'océan, et à ce moment-là, on se met à parler, s'agissant de ce bout, d'un iceberg. Et je me suis dit, mais finalement, d'où ça vient? J'en parle dans le livre. Mais voilà, en fait, c'est un terme technique qui est utilisé par des scientifiques qui pratiquent vraiment leur science d'une manière très, très rationnelle et qui, en même temps, utilisent ce terme qui nous embarque subitement dans un imaginaire complètement différent d'une certaine manière, puisque le vélage, c'est la vache qui met bas son veau, mais c'est aussi la baleine qui met bas son baleineau. Et à partir de là, puisque de toute façon ça correspondait aussi à bien d'autres analyses qui ont cours depuis un certain temps, je pense à Bruno Latour, à Philippe Descola, qui nous montrent très bien que la science et l'animisme n'ont jamais été finalement si contradictoires qu'on le pense quand on va dans les détails. Eh bien, ce livre, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu une défense du vivant à partir du refus d'opposer la science et l'animisme, parce que bah, finalement, les glaciologues eux-mêmes, lorsqu'ils reviennent sur leur terrain et qu'ils constatent aujourd'hui que le glacier sur lequel ils ont passé 15 ans d'études n'existe plus, et ils sont les premiers à pleurer. Donc, accéléré par le réchauffement. Tout à fait. Donc, vous dites qu'il y a 210 000 glaciers répertoriés et que ces zones donc sont vraiment victimes d'un changement climatique, et que, comme vous dites, seuls les autochtones ou les proches scientifiques qui étudient ces zones, ces territoires, ont véritablement conscience de ce changement de paradigme climatique. Et donc, que peuvent les récits par rapport à ce changement? Et après, je passerai la parole à Nathalie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pense souvent au pôle lorsqu'on parle de la glace, bien sûr, mais pensons aussi aux glaces d'altitude. Hein, les calottes glaciaires sont aussi dans les montagnes. Et comme nous le savons, les glaces, la fonte des glaces, hein, ce phénomène qui fera s'élever, qui fait déjà s'élever le niveau des mers, qui pose donc de sérieux problèmes
ce ne sont pas les glaces de mer qui fondant feront s'élever le niveau des océans, mais ce sont les glaces de terre. Des pôles. Ce sont les glaces de terre, en fait. Ce sont les glaces de terre. Et donc, ça peut évidemment se dérouler au pôle, mais aussi dans les montagnes. En fait, tous les glaciers d'altitude qui fondent, c'est un vrai problème. Je dis ça parce que ça permet de comprendre que ce qui affecte la banquise affecte également les glaciers d'altitude des Alpes. En fait, le mécanisme est le même. Mmh. Et ça permet de comprendre aussi que les glaciologues, lorsqu'ils sont sensibles à ces enjeux, sont aux premières loges parce qu'ils travaillent sur les glaciers. Mais donc les autochtones, on a un petit peu parlé, mais aussi finalement les résidents, donc en un sens plus large des autochtones, hein, les résidents qui vivent près de milieux où il y a de la glace. Et donc ça peut être les gens qui vivent dans les Alpes aujourd'hui, pour ne citer que ce massif. Et quand on discute avec eux, avec ces personnes-là, on se rend compte effectivement que ces personnes-là ont beaucoup de récits à leur disposition, qui sont des récits qui viennent de communautés à laquelle ils ont appartenu, des petits villages alpins, pour ne parler que d'eux, finalement, ont aussi des récits de glaciers qui ont débordé de leur lit et puis qui aujourd'hui ne le font plus parce que évidemment, ils se rétractent de plus en plus. Alors, sur cette question des récits, très rapidement, quand on s'intéresse à ce problème-là et qu'on l'applique à la question des glaces, et que l'on lit par exemple des récits dans lesquels les glaces deviennent donc des entités vivantes, hein, des partenaires de la vie sociale, effectivement, comme on trouve tant chez les Inuits que chez les populations andines, par exemple, qui vivent en altitude avec des glaciers qui, eux aussi, sont très, très affectés par le réchauffement climatique, eh bien, on se rend compte que ce sont des récits dans lesquels les glaciers sont des personnages. Et donc, ce sont des récits qui leur font place, en quelque sorte. Il y a des nouveaux personnages, de notre point de vue. On n'avait pas pensé assez spontanément, je crois, à ces personnages-là. Et ça nous fait entendre d'autres histoires. Et il est vrai que, lisant, écoutant, puisque c'est essentiellement aussi une culture orale, à bien des égards, ce genre de récit, ça me conforte dans l'opinion que nos autres histoires à nous seront probablement les histoires des autres. Alors, dans ce livre, vous convoquez donc les artistes, la musique. Donc, il y a des QR codes pour rentrer dans des œuvres immersives qui touchent à ce personnage, comme vous dites. Et alors, est-ce que vous connaissiez Nathalie Talac, qui était une des précurseurs sur cette question de Paul et son travail et sa pratique? Et donc, est-ce que vous... Oui, j'avais vu quelques œuvres déjà, Nathalie, l'autre Nathalie, et on en a reparlé un petit peu avant. Et il est vrai que dans le livre, j'ai interrogé le rapport peinture-photo d'une manière peut-être un petit peu différente, mais totalement complémentaire, et le statut effectivement de... En fait, du son m'a énormément intéressé parce que c'était un des facteurs aussi qui me permettait de dire, voilà, il y a de la vie sous l'eau à propos des icebergs. Vous avez le sentiment que si vous en restez au regard de surface, effectivement, rien ne vire, aucune vie ne s'y attache. C'est complètement mort, éventuellement une cathédrale dévastée par les ans. Enfin, vous savez, il y a cet imaginaire romantique qui est très, très présent. Tout de suite, dans un iceberg, on voit... un monument, en fait, issu de la main des humains. Et puis, quand on plonge sous l'eau, et à ce moment-là, on découvre, on sait ça aussi, hein, souvenir de cours, 9 dixièmes du volume général. C'est pour ça que j'ai une grande admiration pour les plongeuses et les plongeurs dans ces contextes. Ce sont des vrais animaux extrémophiles, comme on dit en biologie, il faut quand même supporter le froid, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils nous montrent, qu'est-ce qu'ils nous font découvrir? C'est que c'est là que le vivant se niche, se loge et se développe. C'est là que s'origine la chaîne trophique, comme on dit, la chaîne alimentaire, dont, en fait, nous, à l'issue, nous dépendons également. Et tout ça m'a fasciné, découvrir que les algues de banquise produisent une grande partie de l'oxygène mondial que nous respirons donc, nous aussi, en tant qu'êtres vivants. Je trouve ça absolument fascinant et ça permet de comprendre que les icebergs portent cette vie-là, dont ils se détachent, et que donc la banquise qui fond, c'est aussi ces algues-là produisant l'oxygène
qui disparaissent. C'est donc moins d'oxygène. Nous respirons de moins en moins bien. Alors Nathalie, vous, vous êtes, donc, ce que je disais tout à l'heure, une précurseuse, enfin en tous les cas très investie sur ces sujets dès les années 80. Alors comment vous vous êtes retrouvée dans cette expédition avec Paul-Émile Victor dans les années 80? Racontez-nous un peu le motif, le déclencheur de cette de vouloir investiguer par le récit artistique, par la pratique artistique, ces pôles, ce Groenland. Alors, je pense qu'à l'origine, il n'y avait rien de très raisonné, qu'il y avait sans doute eu un certain nombre de lectures qui sont, par exemple, L'appel de la forêt ou bien d'autres ouvrages qu'on lit quand on est enfant. Et ensuite, cette thématique, elle s'est un petit peu imposée à moi sans que je la choisisse réellement. Voilà, je pense aussi que c'est lié à la question du blanc, à la question du recouvrement, à la question aussi qui, je crois, a porté mon travail pendant tout ce temps et qui concerne tous les récits, comme le disait Olivier. Et les récits auxquels on fait référence sont assez similaires et assez proches, puisque Olivier comme moi, je crois qu'on est tombé dans ce plaisir, ce désir d'aborder l'exploration et l'expédition au travers de livres, de rapports d'expédition comme ceux des grands explorateurs polaires en ce qui me concerne. Pourquoi ce genre de récit plutôt qu'un autre? Je crois que... Je vous coupe, pardon, mais la photo que l'on voit là, qui est magnifique, donc c'est vous vous mettez en scène et ouais. Donc, vous fabriquez vous-même vos vêtements, les lunettes, etc. Oui. Donc là, l'idée, c'est en effet avec des éléments très pauvres, de rejouer 5 minutes sur la route du pôle. Donc ça, c'est une performance qui a eu lieu à Cologne en 83. Et je me positionnais 5 minutes, pas plus, dans certains lieux de la ville, donc au centre, dans un centre urbain. Et je dessinais à mes pieds, sur le sol directement, un cercle fait de neige artificielle, et je restais immobile pendant 5 minutes avant de repartir sur un autre site de la ville. Alors, on a la vidéo, on peut peut-être la montrer, au moins 1 minute, un fragment. Allez-y. Alors ça n'est pas la vidéo de 5 minutes sur la route du pôle. Pas ça, grave, c'est... vous pouvez quand même commenter. C'est pas grave. Mais ça, c'est justement un film Super 8 fait lors de mon voyage au Groenland. Il n'y en a eu qu'un qui a duré 6 mois. Et là, ce qu'on voit, en effet, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est... ce qui est advenu d'un lancer de paraffine. J'avais pris dans mon paquetage des crayons, du papier et quelques pains de paraffine, tout à fait ordinaires, dans l'idée que, en lançant ces pains de paraffine, au moment où la banquise allait fondre, on aurait cette sorte de sculpture minimale qui serait la seule à rester en suspension sur cette mer groenlandaise. Voilà, ça c'est un extrait d'un ensemble de très nombreux films Super 8 réalisés sur place, donc en 87. Cette relation avec Paul-Émile Victor, alors, qui était avec vous? Alors, cette relation... elle s'est faite assez rapidement. Vous l'évoquiez tout à l'heure au début de mon travail d'artiste, il y avait ce souhait de créer des protocoles. Vous avez cité celui qui s'appelle
jeux de survie en chambre froide, mais il y en avait beaucoup d'autres. Donc, pour être plus précise, en réalité, j'écrivais beaucoup de projets que j'illustrais de notes, de dessins, et puis de quelques définitions. Et ces projets n'étaient jamais voués à être réalisés. Et il y en a un que j'ai écrit qui s'appelait « Mettre le froid à l'épreuve » ou « Travailler sous influence ». Ça, c'était au tout début des années 80. Et, excusez-moi, je vous coupe. Est-ce qu'on a des images de ces protocoles où, Je ne crois pas. Ou de vous en situ... Voilà, voilà. Ça, c'est une autre performance qui était l'hommage aux disparus de l'expédition Franklin. Donc ça, c'est une performance pendant laquelle je cite l'ensemble des naufrages, des noms des naufragés, avec un fond sonore très pauvre lui aussi, fait de bruit de tonnerre et de bruit d'orage. Voilà, mais ça n'a rien à voir avec les protocoles. Je crois que je ne vous ai pas envoyé d'image. Donc, ce protocole en particulier qui s'appelait « Travailler sous influence » a été vu par un critique d'art qui s'appelle Ramon Tiobelido et qui a souhaité me permettre de réaliser ce déplacement au Groenland. Et moi, je ne le souhaitais pas vraiment, mais j'ai eu une bourse et je suis partie donc au Groenland grâce à cette bourse. Mais j'étais en fait assez inquiétée à l'idée de cette expédition. Et bien évidemment, c'était un voyage qu'il me fallait préparer. Donc, c'est à cette occasion que je suis allée au Musée de l'Homme, dans un premier temps, rencontrer Pierre Robbe, qui était le responsable inuit du Musée de l'Homme de l'époque. Et c'est lui qui ensuite m'a mise en relation avec les expéditions polaires françaises et en particulier avec Paul-Émile Victor, que je n'ai jamais rencontré physiquement, mais avec qui j'ai eu un échange à la fois épistolaire et téléphonique, fixe, puisqu'il n'y avait pas de téléphone portable. Et donc, voilà, je le sollicitais sur des conseils, sur le type de matériel à emporter. Je lui avais envoyé le projet. Il ne comprenait pas forcément la raison qui me conduisait à vouloir partir au Groenland, puisque c'était un projet d'artiste et que voilà, tout ce qui était rapport à la science, à la nature, etc., n'était pas très présent dans ce protocole. C'était une série d'investigations pour certaines loufoques et puis pour d'autres presque sérieuses, mais sans aucun support ni socle d'aucune sorte scientifique. Donc voilà comment s'est produite ma rencontre avec Paul-Émile Victor. Alors, vous déployez aussi dans votre pratique toute une esthétique de survie avec des vêtements, une mallette de survie. Est-ce qu'on a des images de ça? Parce que ça, c'est vraiment... Donc ça, c'est une magnifique photo, si vous pouvez en faire quelques commentaires. Alors, celle-ci, elle date aussi, et ça va me permettre d'évoquer de nouveau Paul-Émile Victor, puisque je souhaitais réaliser une série d'autoportraits. Et que là, encore une fois, j'ai sollicité Paul-Émile Victor pour qu'il me prête son premier matériel d'expédition. Cette série d'autoportraits, en réalité, c'était bien sûr une fiction qui consistait pour moi à fabriquer des objets sans aucune espèce d'utilité ni de fonction possible. Là, c'est une paire de lunettes pour évaluation des distances en terre froide, mais elle est faite d'aluminium découpé, l'assemblage se fait au rivet pop et bien évidemment c'est une paire de lunettes qui met en totale cécité, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut absolument rien voir. Donc ça a été un petit objet. Et ensuite, en effet, j'avais fait appel pour cette série de photographies
à un maquilleur de cinéma qui soit en mesure de produire sur le visage cet effet de peau brûlée telle que je les avais découvertes dans les nombreux récits d'explorateurs avec des photographies qui étaient plutôt des années 50 ou 60 et où on voyait en effet les dommages que provoquait le froid sur le corps, sur la peau. Donc cette série appartient cette image appartient à une série qui s'appelle Portrait stratégique et qui consistait pour moi à fabriquer pour chaque autoportrait un objet particulier comme celui-ci qui est un détecteur d'aurore boréale, donc fait encore une fois avec des éléments de tambour de machine à laver, de bac à glaçons, encore une fois avec un assemblage très très simple. Et là, sur cette image en particulier, je porte les chaussures que Paul-Émile Victor m'avait prêtées ainsi que son premier sac à dos. Donc, vous vous imaginez bien que là, c'était une approche absolument pas scientifique de l'exploration polaire, mais je reprenais en réalité l'iconographie qui était disponible à ce moment-là et qui manquait cruellement de modernité, mais c'est ce qui m'intéressait dans l'origine de ce qu'avait pu être l'exploration polaire. Alors, à cette époque-là, on ne parlait pas autant de la réduction d'empreintes carbone, la disparition de la raréfaction de l'eau, etc. Est-ce que vous aviez conscience de cela et aujourd'hui, avec distance, avec le temps, est-ce que on peut dire que vous étiez c'était un art engagé sur l'environnement ou pas du tout, c'était plus une posture réflexive sur c'est justement cet amour, on peut dire, de la glace, du froid. Je ne sais plus ce que vous aviez évoqué en parlant de la glace, rappelez-moi, mais c'était quelque chose de l'ordre d'un peu comme des fulgurances de récits, de poésie, de démonstrations artistiques. Plus qu'un engagement autour de la préservation de ces territoires. Enfin. En réalité, dans les années 80, seuls quelques militants ou quelques scientifiques très éclairés évoquaient ces questions liées au réchauffement climatique, à l'écologie. Donc, non, cette démarche qui consistait pour moi à travailler sur l'épaule, sur la glace, n'avait pas de fondement de cette nature-là. Alors, vous allez même jusqu'à faire une conférence sur le froid, enfin, un simulacre de conférence. Racontez-nous un peu. C'était une performance. Non, en fait, j'écrivais beaucoup et j'aimais inventer des histoires qui emprunte un peu à tous les registres. Alors, c'était le registre des explorations polaires, mais c'était aussi le registre des magazines des années 60 qui présentaient les nouveaux réfrigérateurs, les frigidaires et les choses comme ça. C'était aussi des phrases que je trouvais dans des ouvrages des pré-scientifiques, par exemple, ou des philosophes comme Aristote, des scientifiques comme Kepler, qui parlaient de la neige, du cristal de neige, des météores, de tout ce qui se passe dans les milieux élevés de l'air. Et en fait, cette conférence était une sorte de mélange des genres entre quelque chose qui avait pour origine des fondements scientifiques et pour d'autres qui étaient beaucoup plus allusive, beaucoup plus loufoque. Donc, c'était un mélange de tous ces genres. Et cette conférence était enregistrée sur une bande magnétique. Et elle était diffusée en même temps qu'une série d'images que j'avais empruntées, encore une fois, dans un corpus de livres, de magazines, de catalogues.
et qui mélangeait aussi bien des images liées à la réfrigération que des gravures présentant des morceaux de glaçons dans un verre. Tout était à des échelles très, très, très différentes. Alors, est-ce qu'on a des images de vos costumes de survie, enfin costumes? Est-ce que Jenna peut, voilà. Donc ça, c'est pas exact. Oui, yes. Je vous laisse commenter. Alors ça, c'est beaucoup plus récent. Donc je n'ai pas réellement de costume de survie, sinon peut-être les dernières œuvres que vous avez vues, Nathalie, à la galerie Florent Maubert. J'en ai essayé un, Nathalie. Oui, je sais. Mais ça, on est dans, je dirais, plus, ce ne sont pas des costumes de survie, ce sont plus des abris costumes, en fait. Est-ce qu'on a ces images d'abris costumes? C'est quand même, j'aimerais bien les montrer. Je pense que vous en avez. Alors? Bon. Bon. Bon, parce que ça, c'est une performance qui a été réalisée par une jeune fille, une petite fille, lors d'une rétrospective que m'a consacrée le FRAC Franche-Comté en 2016. Et c'est une performance que j'ai appelée Gimme Shelter. Okay. Il y a d'autres œuvres qui portent le même titre, mais ça, c'était pour moi l'occasion de faire rejouer une situation qui était présente dans une vidéo exposée justement dans cette rétrospective et qui serait peut-être aussi à l'origine de tout ce que je fais aujourd'hui. C'est une vidéo réalisée par mon père quand je devais avoir 8 ans et où on me voit me projeter et me jeter dans la neige, dans une forêt. Donc, je souhaitais aussi qu'il y ait une sorte de double de substitution au travers de cette petite fille qui portait cette couverture de survie et qui déplaçait la neige artificielle que vous voyez là à ses pieds. Alors, c'est une discussion. Donc, Olivier Remeau, qu'est-ce que vous inspire ces protocoles, ces actions artistiques, ces installations? Ben, je connaissais déjà précisément le très bel autoportrait avec les lunettes de cécité, donc non pas de vision, mais de cécité. Et l'un des points intéressants, notamment, c'est que effectivement ça confirme le fait que dans ces latitudes-là, et même donc à certaines altitudes dans des milieux montagneux, bon, la vue n'est pas du tout le sens royal. Au contraire, en fait, il faut vraiment mobiliser un autre dispositif sensible. Et ça, bien sûr, c'est l'avantage des gens qui vivent dans ces régions-là pour s'orienter. Mais en fait, la vue comme unique sens, et nous, on a au contraire le sentiment que si on est aveugle, on ne peut plus rien faire. Mais dans bien des situations, lorsque le vent est très très fort, par exemple, où un brouillard devient subitement pesant et en une seconde absolument tout change, on voit ça aussi en montagne, hein. Ou alors la lumière s'aplatit de telle manière que c'est le phénomène qu'on appelle le white out, il y a un blanc dehors, un blanc total qui fait qu'il n'y a plus de rapport entre le fond et la forme, entre la surface et la profondeur, il n'y a plus de relief. Là, on est complètement désorienté si on ne fait confiance qu'à ses yeux, si j'ose dire. Et donc, il faut à ce moment-là mobiliser un autre dispositif sensible, l'odorat, l'ouïe, bien sûr, la question des sons, une fois de plus, on pourrait en reparler hein, longuement, est capitale dans ces latitudes-là, et le toucher même. C'est-à-dire qu'on peut s'orienter en s'approchant du sol et puis en remarquant, par exemple, que le vent a formé telle mini crête de compression qui, si on la caresse doucement parce que de toute façon on ne voit plus rien, nous indique une direction. Oui, peut nous indiquer le fait qu'on est près de la mer, on entend le bruit des vagues qui tapent sur la banquise côtière. Voilà, donc il est vrai que ces lunettes qui ne font pas voir, moi, m'invitent à
vont dans le sens d'une confirmation de ce que je viens de dire, à savoir que dans ces régions-là, en fait, il faut vraiment mobiliser ces cinq sens et rarement la vue est le sens le plus utile. Et alors, après, sur le froid et la glace, il est vrai que... Donc moi, c'est presque plutôt la glace, en fait. C'est la glace comme milieu extrêmement complexe et, encore une fois, dont le vivant lui-même dépend. Mais le froid, c'est quelque chose qui... C'est un terme qui, aujourd'hui, me fait penser immédiatement à une personne qui, je crois, est très intéressante aujourd'hui à connaître, qui s'appelle Sarah Vatcloutier, qui est une biologiste hein, très engagée, mais qui est inuite et qui parle, qui a cette expression fameuse de droit au froid, the right to be cold. Et elle utilise cette expression pour défendre la nécessité des glaces dans le bien-être environnemental. Pour résumer, les populations qui vivent à ces latitudes-là ont besoin de la glace pour asseoir, défendre leur autonomie sur le plan tant social que culturel. La glace fait partie de leur histoire, fait partie de leur identité. Et c'est vrai que cette expression, elle est percutante quand même. Hein. Le droit au froid, ou le droit d'avoir froid presque, ça me fait penser à ça, mais ça remet la glace au centre. La glace fait vraiment, les glaces, dans toute leur variété, font vraiment partie de nous, de ce point de vue-là. C'est l'un des fils rouges du livre. On a l'impression que c'est là-bas, mais en fait, elles sont bien plus proches qu'on ne le pense. Elles sont même en nous... par ce grand cycle général de l'eau, entre autres aussi. Alors, si on revient au vivant, on partage des choses avec les glaciers, c'est qu'on est composé, nous aussi, humains, d'eau à 70%. Et donc, quid de la raréfaction de l'eau, de ces glaciers qui fondent, et donc cette espèce d'empathie qui se crée entre l'humain et cette glace qui fond. Qui donc menace nos écosystèmes. Et donc là, c'est plus la philosophie, là. C'est la science, bien sûr, pour mesurer, mais c'est aussi les États, les politiques globales, mondiales, pour agir. Vous qui avez écrit sur ce sujet, est-ce que vous avez été en contact avec des politiques, des membres du GIEC, ou au contraire, vous avez délibérément voulu circonscrire votre investigation à la peinture, à la photographie? Est-ce que ce livre ne vous a pas donné envie d'aller au-delà de justement la création de vos récits? Une question. Alors, si, tout à fait. C'est pour ça que j'ai... Excusez-moi, je n'ai volontairement pas répondu à l'un des aspects de votre question sur la philosophie, le statut de la philosophie, oui, parce que finalement, je me suis rendu compte, tout en restant probablement philosophe, que je rencontrais des gens très très différents qui m'apprenaient des choses extrêmement différentes, et que, de même que la vue, la philosophie n'est plus que jamais pas une discipline qui permet de tout comprendre à elle seule. Hein, donc il faut, de mon point de vue, abandonner un peu ce mythe qui reste persistant, et ce n'est pas de l'antiphilosophie de ma part, c'est simplement que, oui, j'ai appris beaucoup, effectivement, des scientifiques, en général, hein, glaciologues, mais aussi géophysiciens. J'ai rencontré effectivement des gens aussi plus engagés, notamment dans le monde anglo-saxon, beaucoup d'anthropologues. Je dois dire que l'anthropologie des milieux naturels et je crois, c'est-à-dire en fait qui s'intéresse aux interactions entre les humains et les non-humains, notamment sous l'impact du réchauffement climatique, je crois, est un domaine qui va devenir de plus en plus intéressant parce que précisément, il va nous rapporter beaucoup de vécu, en fait, de vécu de lente disparition des milieux et en même temps, sans doute, beaucoup d'espoir aussi, c'est-à-dire que les gens qui assistent à ces disparitions de leur milieu dont ils sont si familiers parce que, par exemple, ils y sont nés, leurs parents y sont nés, etc., etc., agissent aussi et vont trouver des solutions à leur échelle. Donc, effectivement, j'ai voulu à la fois, parler de la peinture, des sons, des photos, donc de ces arts-là,
mais j'ai aussi voulu confronter la science à ses propres enjeux, qui sont des enjeux politiques en un sens très très large. Et pour rejoindre l'un de nos points de discussion avec Nathalie, c'est que je crois vraiment qu'aujourd'hui, ce sont On vous beaucoup entend plus plus. écologisés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui ne veut pas faire une expédition dans les pôles? Oui? Alors là, on vous entend très mal, Olivier. Ah, c'est la Revenez connexion avec qui doit nous. être instable. J'essaye. Est-ce que vous m'entendez là? Là, on vous entend. Est-ce que là, c'est mieux? Alors, Là, c'est oui, mieux? vous dites quand même, il ne faut pas se tromper de monde. Ne Oui. pas se tromper de monde. Alors ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, ne pas se tromper de monde, c'était. En fait, c'est dans le fil de ce que je disais. Les pôles se sont écologisés aujourd'hui, je crois. Et il est vrai que moi, j'ai toujours été fasciné, comme Nathalie, par les récits d'exploration polaire. Ce sont des narrations, oui, en effet, de survie absolument incroyable. C'est évident. Et il y a toujours en même temps quelque chose qui m'a intrigué et que je développe dans le livre, c'est ce sentiment que les explorateurs, qui étaient en effet essentiellement des hommes, même s'il y a eu des femmes qui ont fait des chemins identiques, dont on se met à parler de plus en plus, heureusement, aujourd'hui, il leur manquait des techniques, des mots, presque une forme de grammaire sensible pour décrire plus que ce qu'ils décrivaient. Et c'est pour ça que j'ai pris l'entité iceberg au sérieux, si j'ose dire, c'est-à-dire que je crois vraiment qu'il faut plonger quoi, pour comprendre comment les glaces fonctionnent. Il faut comprendre qu'il y a un vrai rapport avec l'océan, les océans, et que beaucoup d'explorateurs polaires, dans l'âge héroïque, disons, de l'exploration, n'allaient pas sous l'eau. Par définition, ils n'en avaient pas les ressources au sens technique, ni les vêtements adaptés. Et je trouve extrêmement intéressant qu'aujourd'hui, on conserve un sens de l'expédition, parce que de toute façon, aller là-bas, comme monter très très haut en altitude, c'est de toute façon toujours et encore, et ça sera toujours une expédition, des expéditions, mais que, comme je le disais, ça s'est écologisé. Juste un exemple, il y a eu très récemment le Polar Stern, hein, l'étoile polaire, qui est le nom du navire. Amiral de l'Institut Alfred Wegener en Allemagne, qui est un institut très, très réputé sur les mondes polaires, qui est revenu au bout d'un an d'expédition au pôle Nord. Et l'un de ses chefs d'expédition, qui s'appelle Marcus Rex, qui est un physicien de l'atmosphère, avait avec lui le journal de Fridtjof Nansen, donc un grand explorateur de cet âge héroïque de l'exploration polaire. Et Nansen avait dérivé sur son Fram, un bateau qu'il avait confectionné précisément pour résister à tous les déséquilibres créés et tous les systèmes de force créés par les resserrements de la banquise, avait dérivé pendant 3 ans à ces hautes latitudes. Et il avait noté dans son journal les glaces pérennes à son époque. Et Marcus Rex a repris tous les moments du journal où Nansen disait « là, c'est de la glace pérenne ». Y est allé, et aujourd'hui c'est de l'eau. Et donc on voit dans ce discours quelqu'un qui fait le lien avec l'exploration polaire au sens traditionnel, historique du terme, et qui aujourd'hui a une conscience écologique très forte. Et donc ça va dans le sens de ce que je disais, je crois que les pôles aujourd'hui se sont écologisés assez nettement. Alors, l'heure tourne évidemment. Donc, pour poursuivre, vous dites que des actes de commémoration effectivement ont eu lieu récemment à la suite de la disparition de certains glaciers, notamment en Islande. Et deux collègues à vous ont décidé de créer un rituel de mémorialisation, donc pardon, une forme de cérémonie post-traumatique avec un texte gravé sur une plaque qui adresse le message suivant aux générations futures. Ce monument atteste que nous savons ce qui se passe et ce qui doit être fait. Vous seuls savez si nous l'avons fait. Oui, c'est une très belle idée, je trouve. Oui. Je pense en effet que comment dire,
pour vous le dire rapidement, les gens qui habitent dans ces milieux-là ont leur propre rituel, d'une certaine manière. Mais on comprend que, justement, les rituels sont importants pour lier, pour nouer des liens avec ces entités non humaines que sont, par exemple, les glaciers. Et donc, quand on n'habite pas dans ces milieux, quand on en est loin, comment on fait pour devenir vraiment sensible, par exemple, à la question de la fonte des glaces? Je veux dire que ça ne reste pas un argument abstrait. Comment on fait pour que ça ne reste pas un argument abstrait? Eh bien, je trouve que ces deux collègues anthropologues ont trouvé une idée intéressante, c'est-à-dire que donc on va créer un rituel et on va effectivement commémorer la déclaration de mort qui avait été faite par des glaciologues eux-mêmes, hein, très, très scientifiquement, en 2014 en Islande. Un glaciologue avait utilisé le terme de « dead ice ». Et quand on utilise le terme de « dead ice » à propos d'un glacier, ça veut dire que le glacier est revenu à l'état de névé. Le névé, c'est une toute petite fine couche de glace. Donc, il y a encore un peu de glace, mais autour, il n'y a plus que de la rocaille. Et donc, c'est de la glace morte. Et ces deux collègues anthropologues ont enclenché le mouvement et se sont dit bon, ben, on va commémorer, donc on va poser une plaque, comme vous l'avez dit, Nathalie, avec un texte commandé à un écrivain assez fameux en Islande et d'ailleurs même mondialement. Et j'ai trouvé cette idée vraiment intéressante parce qu'ils ont compris que nous avions besoin, sans doute, de rituels pour nous rapprocher de ces êtres et rapprocher ces êtres de nous et donc nous rendre plus sensibles à ces enjeux-là. Et j'en veux pour preuve aussi que cette idée s'est un peu généralisée puisque ça a été depuis fait également en Suisse et en Italie, du moins à ma connaissance, peut-être ailleurs également. Alors Nathalie, si on parle de rituel, donc vous êtes maintenant beaucoup autour de la peinture, parce que vous peignez des grands formats et donc dans lesquels vous reprenez des icônes mythologiques, mais aussi justement cette idée d'exploration, d'explorateur avec ces figures, ces personnages. Bon, c'est dommage, on n'a pas d'image, je pense. Et également, vous faites… Ah si, génial, voilà. Donc c'est, je vous laisse commenter ces croisements de culture et d'objets. Alors, pour être concise, en effet, j'ai commencé la peinture en 2014, ce qui est très, très tardif, mais je n'osais pas franchir le pas. Et je fais depuis 30 ans, même un peu plus, souvent des collages. Et certains des collages que j'ai réalisés en 2013-2014 m'ont donné l'élan pour passer au tableau. Et donc, ces tableaux, je les voulais aussi, en réponse à l'ensemble des performances que je faisais, de grande taille pour que je puisse me confronter physiquement à la réalité de la peinture. Ce que vous voyez là, en fait, c'est une sorte de superposition de deux mondes. L'un que vous reconnaissez en fond, qui reprend des questions, alors là, moins d'exploration polaire, mais plus d'ascension en très haute montagne, les éléments qui viennent en effet les perturber et qui sont empruntés à un répertoire de formes qui font appel cette fois à ce qui a à voir avec l'objet d'art et l'objet décoratif. Ce goût pour les objets décoratifs m'est venu d'un long travail que j'ai mené à la manufacture de Sèvres pendant un grand nombre d'années. Et en apprenant les techniques et en produisant un certain nombre d'heures avec les ateliers de la manufacture de Sèvres, ces objets dits décoratifs m'ont amené à réfléchir, bien sûr, à des thématiques qu'on a évoquées depuis le début de cet entretien. Il y a de la feuille d'or, donc vous appliquez une feuille d'or en fond. Donc là, c'est une autre série de tableaux. Mais pour finir, je voulais dire que le recours à ces objets et figures décoratives qu'on retrouve dans les tableaux avec la feuille d'or qui sont beaucoup plus récents, en fait, évoque la même chose
que ce qui était évoqué depuis le début des années 80 dans le travail, c'est-à-dire la question du vivant, la question de la fragilité, la question aussi du déplacement, de l'instabilité. Donc, on peut voir l'autre image, Jenna. Donc, celle-ci, en effet, là, c'est un collage aussi d'éléments qui sont très récurrents dans ce que j'ai pu produire jusqu'à aujourd'hui et qui mêlent des univers qui sont à la fois différents, mais qui évoquent aussi l'idée de l'exploit, de la survie, du vivant, au travers de formes qui peuvent être aussi bien très naïves que d'éléments comme ce que vous avez là à droite de l'écran, c'est la première cabane que Paul-Émile Victor a installée au Groenland. Donc, ça mélange à la fois des éléments aussi empruntés, alors dans celui-ci peut-être moins, mais des figures qui sont des amulettes groenlandaises qui sont destinées à repousser le mal, mais encore aussi des la reproduction de gravures du 18e qui donnait à voir, par exemple, en haut de l'image, une femme qui était en train, non pas d'utiliser un kayak, mais qui avait gonflé des intestins de phoque pour pouvoir naviguer. Donc là, c'est une nouvelle forme de récit qui superpose à la fois des temps, des moments, des époques, des motifs, et qui viennent à être éclairés ici par ce qui n'est pas de la peinture, mais qui couvre quand même le fond du tableau et qui est cette feuille d'or qui renvoie bien évidemment à l'idée et à cet objet que j'utilise depuis longtemps qui est la couverture de survie, mais qui renvoie aussi plus généralement à l'histoire de la peinture et à l'usage qu'on fait de l'or depuis maintenant des siècles dans ce qu'il vient du sol aussi, dans ce qu'il a de minéral, mais dans ce qu'il a de lumineux, de mouvant, d'instable aussi, puisqu'en fonction de la manière dont le tableau va être éclairé, on peut même être amené à être aveuglé par le reflet produit par l'or posé ici. Et cet or, il n'est pas posé de manière uniforme. Le tableau n'est pas entièrement recouvert. C'est aussi peut-être une manière de proposer une autre géographie en produisant des motifs qui viendraient s'inscrire sur des cartes ou des territoires. Et il y a un petit côté aussi très bochien, Jérôme Bosch, peinture flamande. Alors, je ne sais pas s'il y a un petit côté bochien, mais en tout cas, il est vrai que il y a un certain nombre de motifs qui proviennent bien sûr de la peinture flamande, mais qui aussi peuvent provenir de manuscrits médiévaux qui viennent aussi, je dirais, donner une vision du monde tout à fait particulière, parce que très inventive, parce que très audacieuse, très nouvelle, en tout cas à leur époque. Et c'est ce qui m'intéresse aussi dans ces formes d'images, parce que ça renvoie bien évidemment aussi à un imaginaire qui nous dépasse et à des récits qui mêlent des temps, des époques, des moments et des fondements du vivant très différents. Alors, Bochien, c'était peut-être pas le bon mot, mais en tous les cas, il y avait une référence à justement ces univers, ces petites scénettes très miniaturistes comme ça. Donc, pour revenir à cette idée de refaire, d'inventer des nouveaux mondes, des nouveaux récits, comment, et là, c'est une question de conclusion à vous deux, comment l'artiste et le
peuvent-ils aujourd'hui justement travailler plus ensemble afin d'accélérer ce sujet, enfin adresser le sujet du réchauffement, mais de manière générale, accélérer cette transition écologique? Est-ce que c'est possible? Si oui, bah, je pense que c'est déjà un peu ce que vous faites déjà tous les deux. Et donc, voilà, est-ce que vous sentez qu'il y a un art qui s'engage, cette question il y a une accélération sur cette question de nouveau récit par rapport à ce qu'on a vécu, ce dont on sort, c'est-à-dire quand même un état de sidération et l'épisode n'est pas clos. Donc, juste un mot sur cet potentiel. Je commence peut-être à conclure et ensuite je laisserai la parole à Olivier. Je crois que des collaborations, en effet, entre artistes et scientifiques sont toujours extrêmement productives, passionnantes et que je crois aussi qu'on travaille dans deux univers. Qui peuvent être parallèles, mais qui peuvent être amenés à se croiser, et surtout qu'on peut ensemble avoir la faculté d'anticiper. Vous parliez tout à l'heure, Nathalie, du fait que moi, j'avais découvert à 20 ans un goût effréné pour le pôle Nord. Ce goût ne s'affaiblit pas avec les années. Même si le monde change, mais il me semble quand même apercevoir que chez un certain nombre d'artistes et beaucoup aussi chez les scientifiques, des collaborations peuvent être intéressantes parce que en réunissant ces deux corps qui sont à la fois vivants et pensants, on peut peut-être non pas trouver des solutions, parce que ça serait assez prétentieux de le dire, mais en tout cas, tenter d'anticiper sur quelques phénomènes, quelques idées, quelques terrains peut-être qu'on ne foule pas aujourd'hui, que ce soit des terrains de pensée, des terrains de philosophie ou même des terrains artistiques, pour réussir à produire une pensée qui pourrait être commune. Alors, un livre qui vous a éclairé, un livre, une action que vous pourriez nous recommander à la suite de cette conversation? À moi, Nathalie? Oui, à vous, Nathalie. Un livre, une action, Nathalie Talec. Un livre, une action. Vous allez le trouver un peu daté, ce livre, mais je l'adore. C'est un livre de Johannes Kepler qui s'appelle L'étrenne ou la neige sextangulaire. Et dans cet ouvrage, qui est une sorte. C'est un ouvrage très à part dans ses écrits scientifiques. Là, c'est un écrit en prose. Et en fait, il rédige cette étrenne et la neige sextangulaire pour faire un cadeau à un prince allemand très dépressif. Et pour ses étrennes, il souhaite lui offrir cet ouvrage qui parle du cristal de neige comme étant l'élément au monde le plus proche du rien. Et voilà, ça c'est un. C'est très beau, ça donne envie. Olivier? Oui, bah, rapidement, moi je dirais simplement que justement ne pas se tromper de monde, c'est bien comprendre que ces mondes de glace nous en dépendons, qu'ils ne sont pas soit dénués de vie, soit simplement, si j'ose dire, beaux ou vraiment impitoyables selon les cas, mais qu'ils sont composés d'une multitude d'êtres qui forment une grande chaîne, enfin, qui permettent à des écosystèmes de s'emboîter, de s'entrequilibrer, de s'entremêler, et encore une fois, dont nous dépendons. Et il est vrai que je crois que c'est intéressant aujourd'hui de croire aux glaces en ce sens et de ne pas faire trop rapidement comme si on allait habiter dans quelques années, un monde post-polaire. Je crois qu'il faut continuer à croire aux glaces et donc à s'y intéresser, à les prendre vraiment au sérieux. Et quant au livre, eh bien finalement, moi je conseillerais un livre que j'évoque à plusieurs reprises dans le mien,
et aussi pour rendre un petit hommage à cet auteur qui vient de mourir, et qui est le livre de Barry Lopez, un auteur américain qui a écrit un ouvrage magnifique, qui a été un best-seller à l'époque en 1986, qui s'appelle, traduit, Rêves arctiques. Et c'est une espèce de Bible, Rêves arctiques, une espèce de Bible sur ces hautes latitudes du Nord, puisqu'on y trouve à la fois un carnet de sciences, un cahier de découvertes et d'explorations, et énormément d'informations scientifiques, et une magnifique méditation sur le destin de la planète. Alors, un grand merci à vous deux. Donc, je récapitule. Olivier Romeau, Penser comme un iceberg. Je ne vais pas quitter ma vidéo parce que je veux aussi vous parler de l'exposition en cours de Nicolas Flock, en cours à la Fondation Thalie. Donc, Nicolas Flock est comme vous puisqu'il parle de l'invisible, de la crise de la sensibilité, des habitats marins. Il donne à voir et il parle aussi de la perte en biodiversité de ces habitats. Très beau travail en lumière naturelle, en grand angle, noir et blanc, totalement immersif jusqu'au 10 juillet à la Fondation. Je voulais vous dire aussi que vous allez pouvoir retrouver cette conversation demain en podcast sur notre site. Et puis, je suis ravie de vous retrouver. J'ai aussi oublié de dire que Nathalie Talec est représentée par la Galerie Maubert, et dont on défend beaucoup d'artistes en ce moment, de la Galerie Maubert, donc, qui est une galerie assez engagée sur les questions écologiques, et qu'elle est également professeure aux Beaux-Arts de Paris, et bien sûr dans beaucoup de collections privées, publiques, et beaucoup de projets de commissions dans les musées. Voilà, donc je serais ravie en tous les cas de vous retrouver à la rentrée pour un nouveau podcast, une nouvelle rencontre cette fois en présentiel, à Bruxelles, et merci, un grand merci à vous deux, et très bonne soirée. À très bientôt. Merci, bonsoir. Bonsoir.